Hello! Alors, j'ai une semaine de congé hein, qui commence aujourd'hui. Et il a fait beau pendant genre 2 semaines, bien trop bien, là tout le mois de juin, c'était trop bien. Et là, je suis en congé et il fait dégueulasse dehors. Il pleut, il fait gris. Ça, c'est un peu refroidi, bon, ça, à la limite, c'est pas très grave, mais je suis dégoûtée. Je m'étais dit, chouette, je vais faire un petit vlog et vu qu'il fera la météo, au début ça allait, les prévisions météo pendant un moment c'était assez favorable. Je me suis dit, ouais, je vais aller me balader, puis j'emmènerai ma caméra et on va prendre des images, ça va être sympa. Bon, ben non. Alors du coup, je pense que je vais essayer de vlogger quand même, mais ce sera franchement moins palpitant. Au programme, du coup, beaucoup restent à la maison. J'ai bon, le ménage à faire, hein, j'en profite. Mais voilà, je vais essayer de lire aussi beaucoup. J'aimerais bien donc finir mon pavé d'ici. Je sais pas si je finirai aujourd'hui. Il me reste moins de 100 pages, mais ouais, je sais pas si je vais avoir la motive de le finir aujourd'hui. Demain, je pense que ce sera sûr. Donc ce sera chouette. Après, on passera à autre chose. Et tricoter, regarder un peu enfin, la télé. Ah, pardon, je vais éternuer. Regarder un peu la télé, rattraper un peu les vidéos YouTube et tout ça quand il fait beau, j'en profite pour être dehors, moi devant la télé. Donc là, s'il fait pas beau, on va rattraper tout ça en tricotant. Et voilà les choses. On verra bien. On verra bien comment ça se déroule. Voilà, là tout de suite, je vais me prendre un petit déjeuner. On est jeudi matin. Il est genre à peine 8 heures passées. Voilà, je prends mon petit déjeuner, je vais traîner un peu et après on verra. I'm going to thread this pink string through these loops. Nearly done, nearly done. Keep going, Rebecca, keep going. I'm adding a fringe at the back. All about fun. This week, Raf, I think, was the most ambitious. The overall design of Raf's Made to Measure is so clever. His vision is fantastic. So it sounds like everyone's kind of still up there. Black wine. Okay, we've had an amazing 10 weeks. You've all done yourselves incredibly proud. Somebody has to win, and that person is. Il est à peu près 4 heures. Ouais, 4 heures moins le quart, il y a du soleil. J'hallucine. Au final, les prévisions météo étaient bien plus dramatiques que la réalité. Et apparemment, demain et après-demain, ça devrait être potable. On croise les doigts. Mais j'ai quand même rien fait aujourd'hui. Hein, comment vous dire? Mine de rien, je suis quand même un peu fatiguée. Un début de semaine un peu intense avec le travail. Donc, une bonne journée votre âge. Je pense que Bougnette en avait besoin aussi. Elle ne m'a pas lâchée. Elle m'a fait plein des siestes câlins. Donc j'en ai bien profité. J'ai fini la saison de The Great British Sewing Bee. Voilà, il me restait la demi-finale et la finale à regarder. Je sais même plus si je vous ai dit ça, qu'il fallait que je regarde ça. J'avais fini finir de regarder ça sur la BBC en replay. Du coup, c'était pas mal. Un peu des vidéos YouTube aussi. Donc en tricotant, donc j'en profite pour vous montrer ce que je tricote. C'est un nouveau projet. Je vous disais dans mon podcast qui est sorti là, il y a quoi, même pas une semaine, au moment où je filme ça. Je vous ai dit que j'avais envie de me concentrer sur faire des châles unis. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé un châle uni. J'avais un truc. J'avais envie de quelque chose de
de coloré, de vif, de voilà quoi, de qui met de bonne humeur en accordance avec le soleil. Pas forcément un châle d'été, hein, c'est un châle en laine qui va très bien me faire toutes les saisons, hein, mais niveau couleur et un peu design, j'avais envie de ça. Donc j'ai un peu regardé sur mon Ravelry, dans mes favoris châles, tout ça, il y en a plein. Et au final, j'ai décidé de partir sur ce châle-ci. C'est le modèle Seine de Janina Callio. Callio, Callio. Janina Callio, une créatrice de patrons de châles. Tous très simples en fait. Toujours juste un petit détail, mais ça n'a l'air jamais super compliqué. J'en ai déjà tricoté de ces designs. Et notamment, ça m'est arrivé d'en tricoter pour faire des cadeaux parce que c'est ça va vite. Enfin, les cadeaux, c'était en écheveau, hein. Mais c'est pas compliqué, ça demande pas de trucs techniques complètement dingo. Et au final, j'aimais bien celui-ci. Hein. Je sais pas si vous allez voir sur la photo. En fait, il y a une moitié en espèce de point texturé entre point mousse et des petites bandes point mousse, des petits bandes jersey, et après il y a tout ce grand panneau de petits motifs ajourés, mais très simple, hein, je veux dire, c'est pas, franchement il n'y a rien de super compliqué, hein. Donc j'ai commencé ça, j'utilise de la laine que j'éteins à la main, donc techniquement j'ai la boutique encore ouverte. Mais là, il n'y en a plus de ça. C'est du 100% Bluefest Lester. Donc, c'est la base Wanderlust 4-ply. Donc, c'est une laine fingering, hein, fine. Dans la couleur Watt. Et en fait, voilà, il n'y en a plus. Parce que moi, je me suis gardé deux écheveaux pour ce châle. Les autres sont partis chez Olivier de chez O'Kill Tricote. Voilà. Olivier, je t'ai gardé les plus sympas des trois écheveaux, hein, je te rassure. Donc voilà pour ça. Et c'est pas très grave. Donc j'ai commencé. Donc la partie texturée, j'en ai pas. Je pense que j'en ai pas pour longtemps avant de passer à la texture, à la partie avec les ajourés, dentelle. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 3 répétitions, je pense. Ouais, c'est ça. 3 répétitions de la séquence rayure. Et ça devrait le faire. Donc voilà, comme ça. J'avais envie d'un châle jaune pour amener du gai, de la gaieté dans mes tenues. Parce qu'au final, je trouve que, enfin voilà, j'avais envie. Ces temps-ci, je mets beaucoup de gris et de vert kaki et tout ça, et je trouve que j'avais envie d'une couleur qui amène un peu tout ça, une espèce de travailler sur de la cohérence de garde-robe. Donc voici sur quoi je travaille en ce moment. Du coup, j'ai rien monté d'autre que je peux vous montrer. Il y aura une partie bonus, je pense, dans cette vidéo que je ferai vers la fin du vlog, si ça m'a, quand j'aurai avancé un peu sur certaines choses. Et mais là, de ce que je peux, de ce qui n'est pas partie bonus, j'ai que ça. On verra si ça me prend dans la semaine de monter autre chose ou de faire des échantillons en prévision, on verra. Sinon, j'ai aussi avancé sur ma pavasse, Perdido Street Station. Il me reste genre 40 pages, ouais, c'est ça, 40 pages à lire, ça y est, j'en suis à la fin.
Et là, je vais faire autre chose. Je sais pas quoi. J'ai pas envie de faire grand chose. Peut-être un peu continuer à faire un petit peu de rangement. En prévision d'après faire le gros ménage. Et peut-être commencer à préparer des commandes aussi. Ça, je me dis, s'il fait pas moche vendredi, samedi, donc demain après-demain, vendredi, samedi, peut-être partir en balade demain, vendredi, ce qui aurait peut-être moins de gens autour, surtout que demain après-midi, il y a football. Alors moi, je m'en fous, mais je pense dans ma tête qu'il y a beaucoup de gens qui vont être du coup... enfin, c'est à double tranchant. Après, ça dépend où je vais. Alors, clairement, je ne vais pas aller sur Londres, hein, parce que c'est là qu'il y a le foot. C'est Angleterre-Écosse demain. Même pas, j'en parle. Du niveau de monde qu'il va y avoir dans les rues, qui vont aller au pub pour regarder la télé. Enfin, bref, voilà. Nous, on a déjà plus de couvre-feu et tout qui est ouvert. C'est sympa. Mais du coup, il va falloir que je prenne ça en considération pour décider. Mais je pense que ça devrait le faire. Et du coup, ouais, profiter samedi, du coup, aller le matin faire mes courses et passer à la poste. Parce que tant qu'à faire que j'ai le choix d'avoir des jours de semaine off à profiter, je préfère profiter de cela. Il y a moins de monde dans les rues, c'est moins galère. C'est quand que je suis allée chez le... Donc c'est pas le week-end. C'est pas le week-end là qui vient de passer, c'est le week-end d'avant. J'avais pris rendez-vous au salon de coiffure le samedi après-midi. Parce que c'est comme ça que ça marchait. Mon Dieu! Au secours! Donc j'évite vraiment le week-end. Mais bon, le matin, ça va encore. C'est surtout le week-end, après-midi, c'est pas possible. Donc, aller partir en balade en week-end quand il y a tout le reste de la terre qui fait pareil. Si je peux éviter, autant je préfère. Donc, peut-être demain. On verra. Toute façon, vous verrez ça. Je vous tiens au courant avec ma petite caméra. Voilà.
Hello du samedi. Il est quelle heure? Oh, il est déjà 5h30 de l'après-midi. Quoi vous dire? Bon, au final, donc ouais, hier je suis partie en balade. Il faisait pas trop mauvais et il a l'air de pas trop faire mauvais toute la journée. Je suis partie faire une balade dans un village qui s'appelle Hebden Bridge, qui est un village très réputé, très touristique, avec beaucoup de commerces locaux et d'artisanat. Et voilà, c'est le long du canal Manchester Lynns, je crois. Il y a un canal, il y a des péniches, c'est joli. En plus, voilà, j'ai pu assister à l'opération des écluses. Ça faisait super longtemps que j'avais pas vu quelqu'un utiliser des écluses en vrai. C'est chouette. Je trouve ça quand même dingue comme système. Donc voilà, je vous ai pris quelques images. Je vous ai pas pris en face caméra hier parce que, bon, ben voilà, le temps que j'y aille, que je rentre... Enfin, j'étais bien fatiguée, du coup, aujourd'hui, là, je vous reprends un petit peu tard. Mais c'est parce que, ben, ce matin, mine de rien, un peu fatiguée quand même de la journée d'hier. Hein. J'ai quand même un peu baladé. Ça faisait très, très longtemps que je n'étais pas fait une balade, vraiment, hein, avec ces histoires de confinement, veux-tu, en voilà. Puis je devais aller faire des courses, donc ça n'intéresse personne de me voir aller à Marks & Spencer pour échanger mon soutien-gorge, que c'était pas la bonne taille, voilà. Comment vous dire? Et puis après, bon ben voilà, je mangeais, j'ai fait une sieste, j'ai un peu bouquiné. Je vous parlerai demain de lecture. Et là, je viens d'aller au potager... question de voir s'il me reste des légumes après les pluies et la sortie des limaces. Eh bien écoutez, niveau limaces, c'est pas trop mal. Je m'en tire plutôt bien, je suis assez contente. J'ai l'impression qu'il y en a moins cette année que l'année dernière. C'est pas trop mal. Par contre, les escargots sont en train de me ruiner les fraises. Mais alors, phénoménal. Donc je sais pas, il faudrait que je... Bon ben c'est comme ça, c'est toujours un truc de toute façon. Et c'est pas grave, donc du coup j'ai fait mes récoltes, qu'est-ce que j'ai récolté? C'est ça que je viens vous voir. Oh excusez-moi la lumière là, ça le fait pas du tout. Je vais... Hop, on va faire plutôt comme ça, alors on va mettre le panier. Au lieu de me baisser. Alors, ça, c'est le pull au cas où. Alors. De la rhubarbe. J'ai pris quelques tiges en espérant qu'il va repleuvoir là, demain, lundi, je pense. Que ça va du coup m'en faire ressortir d'autres. Donc, voilà, une première récolte. Une première de la rhubarbe. Il y a des bruits bizarres dans cette maison. Donc des fraises rescapées des escargots que je pense que je vais me garder pour le petit déjeuner demain. Je vais me les mettre sur mes céréales. Des épinards. Ce sont des épinards perpétuels. Ils appellent ça comme ça. Et en fait, c'est la même famille que les blettes. Alors, les blettes, je les ai enlevées parce que celle-là, elle commençait à me partir en fleurs. Je ne sais pas si vous voyez. Du coup, je l'ai enlevée avec la petite toune juste pour faire éclaircir qu'il y en a d'autres qui se portent très bien. Et du coup, avec mes épinards, donc en fait, les épinards perpétuels, ça marche un peu pareil que les blettes, en fait. Et du coup, au lieu de faire une seule récolte, on ramasse des feuilles et il en repousse et c'est magique. C'est au fur et à mesure, on se sert petit à petit, donc c'est très bien et c'est plus coriace que les épinards
de base en fait. Donc je pense que je vais... J'en ai combien? Tiens, j'ai la balance devant moi. On va voir. 150. Ouais. Avec la cagette, ouais. Ça devrait me faire avec un peu les feuilles de la deblette. Une petite poêlée, je pense, avec un petit lait coco curry. Avec du riz, il me reste du riz à finir. Ça peut être sympa. Et pour finir, des salades. Enfin, des feuilles de salade. Moi, du coup, vu que c'est moi toute seule, je plante les salades. Enfin, j'ai essayé de mettre des petites sucrines là. J'en ai qui poussent. Mais sinon, en général, je mets les salades où, bah, du coup, pareil, même principe, on vient récolter les feuilles matures, de bonne taille, et ça repart. Et donc, pendant un bon moment, on récolte. Donc voilà, là, ça fait au moins, là, je sais pas, quatrième, cinquième récolte de feuilles de salade que je fais. Voilà, je pense qu'il y a des oiseaux, j'en ai planté, j'en ai replanté pour avoir, pour faire tourner. La dernière fois, donc la semaine dernière, je pense. Et je pense qu'il y a des oiseaux qui sont venus me voler mes graines et m'ont fait un méga trou dans la jardinière où il y a les salades. Et du coup, ils m'ont aussi ruiné une des salades feuilles chêne. J'ai dû carrément l'enlever parce qu'il y avait de la terre partout. Enfin bref, un peu carnage. Non mais je vous montrerai la cour et le carnage du hérisson plus tard. Mais j'en peux plus. Enfin, c'est très bien la nature, les animaux, mais fatigue des fois hein, quand ça vous saccage les potagers et les jardins. Hein, c'est joli, avec des limites. Et donc c'est tout. Donc je me suis récolté mon dîner de ce soir, mon petit déjeuner de demain, enfin une partie, hein. C'est pas avec ces 5 fraises que je vais aller m'étouffer. Et puis voilà. Passant par la connaissance, le bonheur, le malheur, bref, la vie. Edgar Morin a toujours été un franc-tireur dans la vie des idées et son œuvre universaliste me semble particulièrement précieuse en temps de crise comme c'est le cas aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle je vous propose cette émission spéciale. Alors cette œuvre, disons-le d'emblée, c'est un feu d'artifice dans lequel les bons mots explosent au milieu des concepts. Eh bien je vous propose pour commencer de revenir ensemble et en images sur ce que l'on pourrait appeler l'itinéraire d'un enfant du siècle. Il y a presque 100 ans, le 8 juillet 1921, naît à Paris Edgar Naoum. J'ai envie de passer un petit coup d'aspirateur sur le canapé. Mais là, je crois que ça va pas être possible. Hein? Bon, ben maintenant, j'ai perdu ma main aussi. On est mal barré, hein? Hello du dimanche, il est 11h30 à peu près et en fait c'est la deuxième fois que je tourne ce petit face caméra. Je voulais vous faire un point lecture et en fait même en ayant fini la première partie blabla comme ça, je me suis dit ça va pas, je me suis perdue dans mes pensées, c'est incohérent. Donc du coup on essaie de refaire en plus organisé, on va voir, j'ai pas pris de notes. J'ai fini China Mieville, Perdido Street Station, qui je pense a été traduit en français sous le même titre, hein. Je pense qu'ils n'ont pas changé le titre.
Alors, déjà, l'histoire. Commençons par le commencement. Non, déjà, moi, je l'ai donc lu en VO, donc en anglais. C'est un roman anglophone. China Mieville est un auteur britannique. Qui, ce livre a été écrit en l'an 2000, enfin a été publié pour la première fois en l'an 2000. C'est son deuxième roman en tout et pour tout de China Mieville. J'ai du mal à le dire. C'est le premier tome d'une trilogie qui se passe dans le monde, dans l'univers de Baslag. Alors moi, j'aime bien quand on me présente une saga, tout ça, de commencer par le début, en regardant un peu quelques vidéos après. Apparemment, c'était pas la meilleure idée, parce que les trois romans de l'univers de Baslag sont indépendants d'un point de vue narratif, en fait. C'est juste l'univers qui est comme ça. Et en fait, celui-là, c'est pas forcément le... celui que les gens trouvent le plus accessible, ce que je comprends tout à fait. Alors déjà, du coup, il faut donc se mettre, enfin moi, en réflexion après l'avoir lu, c'est vrai que du coup, on sent que c'est les débuts de la carrière d'écriture de ce mec. Donc il y a du très bon. On voit tout à fait le potentiel. Il y a certaines lacunes quand même. Hein. Il y a des incohérences dans tout ça qui font que c'est une bonne lecture. Ce n'est pas un coup de cœur. Et j'ai une espèce de... je flotte entre deux eaux pour par rapport à mon ressenti de ce livre. L'histoire. Nous sommes dans une ville qui s'appelle New Crobuzon. Qui est clairement basé sur Londres, hein, je veux dire, même dans la littérature de China Mieville, c'est Londres est prominent, espèce de mégalopole comme ça. Mais bon, New Crobuzon est donc une grande ville qui est peuplée de moult espèces. De gens, qu'il y ait des humains, il y a d'autres espèces non humaines, on ne sait pas si c'est des aliens, on ne sait pas d'où ils sortent, hein. il va pas faire dans la mythologie les origines de ces peuples, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est une ville qui est hyper, on va dire, industrialisée, il y a un petit côté steampunk, steampunk. Dans là-dedans en général chez China Mieville de toute façon, et c'est une ville donc qui est hyper industrialisée, donc qui est très polluée, qui est très sale, qui est très sombre, même quand il fait jour, voilà quoi, c'est toujours tellement sale et enfin, y a tout, c'est pas, enfin voilà quoi, c'est pas là que j'irai passer mes vacances. On va dire ça comme ça. Et du coup, c'est une ville où il y a beaucoup de criminalité. Enfin, c'est vraiment exagéré. Hein. Je pense que, bon, criminalité, il y en a partout. Mais là, c'est quand même costaud. Et du coup, c'est vraiment une ambiance assez oppressante. C'est très, très bizarre. À savoir que l'auteur, en fait, est... un des fondateurs d'un genre qui s'appelle le New Weird, le nouveau bizarre, en référence que le bizarre d'origine, ça, c'est genre Lovecraft, dont il est clairement inspiré, mais voilà, pour vous donner une espèce de genre où on va retrouver des monstres, des trucs, des mélanges, des ambiances très très bizarres. Tout ça. Et en fait, ce roman, l'histoire va se
va tourner autour d'un personnage qui est le personnage d'Isaac. Isaac est un scientifique un peu dissident, un anti-héros complet, hein, parce qu'au final, Isaac, bon, déjà, c'est pas un homme d'action, hein, on nous le présente comme vraiment obèse, dès qu'il faut qu'il monte des escaliers, il en peut plus de sa vie, quoi. Donc voilà un peu physiquement anti-héros, point de vue moral au final aussi, parce que tout ce qu'il va faire, en fait, ça reste de manière assez égoïste, hein. C'est pas le mec le plus altruiste du monde, et pas le plus, comment dire, honnête. Oui, il y a des thématiques comme ça sur comment arriver à ses fins qui sont assez intéressantes. Et donc, lui, ça va être le pivot, en fait, voilà. Ça va pivoter autour de Isaac, et après, il va y avoir d'autres personnages comme sa compagne, Lynn, qui est donc une non-humaine. Alors, Isaac, lui, c'est un humain. Lynn, c'est une non-humaine, c'est une képri qui, en fait, a un corps humain et une tête insecte. Pas une tête d'insecte, une tête insecte. Tout l'insecte, c'est sa tête, en fait, avec toutes les jambes, les ailes et tout. Donc, en fait, c'est voilà, c'est très, très bizarre à visualiser. Juste pour vous donner un truc bizarre, voilà, c'est ça. Il va y avoir des... Enfin voilà, il va y avoir tout un tas de criminels, il va y avoir des scientifiques fous, il va y avoir par le biais de Lynn, un deuxième pivot, le chef de la mafia, une des mafias de la ville de Nucrobuzon, qui est une créature, on ne sait pas ce que c'est, clairement. Ce qui est un peu dommage, moi j'aurais bien aimé savoir d'où sortait... D'où sortait ce personnage. Et donc, bon, et c'est en fait, voilà, c'est 865 pages. Et c'est quand même assez long. C'est très... Enfin, voilà, c'est... en même temps, il se passe plein de choses. Mais la manière dont c'est écrit, en fait, c'est très... Ça reprend vraiment du temps à s'installer. Et autant... On va retrouver plein d'idées, de concepts, de réflexions qui sont super intéressants. Et moi, c'est ce que j'aime en général dans la science-fiction et de temps en temps dans la fantasy quand elle est bien écrite. C'est d'avoir ces réflexions sur le monde d'aujourd'hui, notre monde dans lequel on évolue, notre réalité, avec ces éléments de l'imaginaire qui font percuter... d'une manière quand même assez extraordinaire, notamment là-dedans, bah justement, Lynn, la képri avec sa tête d'insecte. On apprend un peu plus de son histoire, et c'est vrai que c'est toute une réflexion sur les réfugiés de guerre et les trajets qu'ils font. Sa relation avec Isaac, elle n'est pas au début... Enfin voilà, c'est pas très ouvert, donc il y a cette espèce de réflexion sur les relations entre... Bon, là, c'est entre espèces, mais on peut dire, en référence sans ça à notre monde réel, des relations entre des gens d'origine différente, ou de religions différentes, ou je ne sais. Donc c'est assez quand même pertinent. Et donc d'un côté, voilà, il y a ça, l'histoire se met en place beaucoup jusqu'au moment où forcément un peu tout s'embrique un peu correctement. Dans ces expérimentations, Isaac, en fait, délivre ou ouvre la porte à des monstres absolument... terrible, cauchemardesque, c'est le cas de le dire, hein, on parle, c'est vraiment cauchemardesque. Et du coup, après, ça devient la trame narrative, c'est vraiment, bon, voilà, il y a les monstres, il faut se débarrasser des monstres,
Mais comme je vous ai dit, Isaac c'est un peu anti-héros, donc il y a un peu ce côté de la manière d'arriver à se débarrasser des monstres, hein. Ça y va à coup de pot de vin aux criminels, de je trahis à tout va, enfin, c'est très très compliqué. Et un peu le côté aussi égoïste, parce que c'est pas forcément, c'est oh mon dieu, il y a des monstres, il faut sauver la ville, un peu aussi. Mais il y a le côté un peu égoïste de, par rapport à ce qui se passe à Lynn et d'autres personnages autour de Isaac par rapport à ces monstres. Donc voilà, c'est vraiment, voilà. C'est une histoire de monstres, à la base. Et en fait, il y a le potentiel d'écriture, même si c'est un peu longué, je trouve que c'est très lent, et qu'il y a beaucoup de mots, franchement, je l'imagine tout à fait à son bureau avec son dictionnaire des synonymes à côté de lui et à aller un peu regarder son dictionnaire un peu trop souvent, parce qu'autant il y a des mots, j'ai regardé la définition et tu te dis mais pourquoi il n'a pas usé ce mot, utilisé un mot plus simple pour dire ça. Donc c'est un peu lourd. Alors oui, quelque part ça ajoute à l'ambiance générale un peu oppressante, un peu lourde. De tout, de New Crobuzon, qui en soi est un personnage à soi entière, hein. La ville, elle est décrite, elle nous est amenée comme une part intégrante de la narration. J'adhère plus ou moins, j'avoue que côté ce qu'on appelle le world mapping, en fantasy, en science-fiction, c'est-à-dire de cartographier le monde dans lequel on évolue, surtout quand il nous est complètement inconnu. C'est pas ma manière préférée de faire ça que j'ai trouvé dans ce livre. Donc je disais oui, c'est long, l'écriture est un peu lourde. Je pense qu'il m'a frustrée. C'est que autant il y a plein de concepts et de réflexions qui sont amenées, qui sont super intéressantes, autant elles n'aboutissent pas forcément. Et des fois, ça fuse un peu dans tous les sens. Et du fait de la longueur, de sa longueur, de ce sentiment de longueur qui dans l'écriture, on va amener un sujet à un moment donné du roman. Et genre 500 pages plus tard, ça va revenir. Mais seulement, il s'est passé plein de trucs au milieu. On est parti sur des tangentes complètement différentes. Donc du coup, c'est un peu... ça s'imbrique, mais c'est pas forcément là... Enfin, je sais pas, il y a des trucs qui m'ont quand même dérangé un peu de me dire... pourquoi ? Mais comment ? Quoi qu'est-ce ? Est-ce nécessaire ? Pourquoi ça c'est là ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Donc voilà, c'est un peu trop limite. Je pense que sur beaucoup de choses, ça aurait pu être épuré. Du coup, peut-être avoir plus développé certains aspects. Du coup, moi, personnellement, mon ressenti, c'est que ça m'aurait plus plu. Mais en soi, c'est quand même une chouette lecture. La force quand même de ce roman et de cet auteur, c'est d'avoir un univers tellement particulier. Alors aussi, je vous avais dit ça dans ma vidéo précédente. C'est pas si vous êtes la phobie des insectes. Alors déjà, je vous ai dit l'autre avec sa tête de scarabée là. Si vous avez la phobie des insectes, notamment des araignées et des papillons, notamment les papillons de nuit, c'est niette, hein, je vous le dis de suite, c'est niette. Aussi, si vous avez la phobie, si vous avez un problème avec les mutilations, c'est pas explicitement, il n'y a pas de scène où on va mutiler des gens, mais il y a toute une, on va dire, une caste de personnages dans l'univers de Baslag en général. En fait, les criminels, on va dire, au lieu d'aller en prison, vont se faire refaire. On appelle ça les remade, les refaits, où en fait, on va leur remplacer un bras ou la moitié du corps avec un élément d'un animal ou un élément mécanique, un peu infusé de magie.
Donc c'est assez entre Robocop et l'île du docteur Moreau, mais en version vraiment extra bizarre. Donc c'est pas, voilà, si vous êtes un peu sensible de toutes ces choses un peu comme ça, je recommande pas. Donc voilà. Est-ce que je le relirai? Alors je vais sûrement pas m'attaler à lire la suite de la trilogie qui se passe dans l'univers de Baslag. Par contre, je pense qu'à un moment donné, alors pas avant un moment, hein, mais il y a d'autres romans uniques qui se tiennent en soi, qui me tentent assez, qui ne sont pas forcément aussi classifiés, aussi bizarres que Baslag ou que Perdu de Street Station. Donc pourquoi pas? Sachant que moi, c'est le troisième livre que je lis de cet auteur déjà. Donc, je sais qu'il peut faire du un peu moins bizarre. Glauque. Du un peu moins glauque. Du bizarre, ça, c'est toujours bizarre. C'est juste un peu... limite un peu trop glauque. Bon, voilà. Du coup, je vais faire une pause, je reviens. Juste une petite pause, question de... couper la vidéo par rapport à l'appareil photo. Du coup, là, après avoir passé donc quand même c'est ce pavé de 865 pages, j'ai envie d'un peu changer ma dynamique de lecture, hein, question de ne pas me replonger dans un autre pavé, une autre histoire lourde. Lourde au niveau du poids, hein, pas forcément des thématiques, attention, hein, je ne vais pas m'atteler à des lectures forcément légères, quoi. Mais voilà, niveau du nombre de pages, on va dire. Voilà. Donc du coup, j'ai fait le plein récemment de romans, de livres qui font plus ou moins environ 200 pages. Et du coup, là, j'ai un peu envie cet été, ben, du coup, d'enchaîner les petites lectures comme ça. De légèreté au niveau du nombre de pages. Je commence avec Petit Pays de Gaëlle Faye, qui est un petit livre donc de 220 pages par là, voilà, que j'ai aux éditions Livres de Poche. Petit Pays nous retrace ces... c'est genre mémoire d'enfance d'un garçon, enfin d'un homme, puisqu'au début c'est vraiment c'est genre flashback, quoi. Enfin voilà, comment on dit en fait? Parce que c'est pas autobiographique, hein, le personnage ne s'appelle pas Gaëlle, il s'appelle Gabriel. Mais c'est quoi? C'est une fiction autobiographique, enfin je sais plus. C'est un terme spécial, mais je ne suis pas booktubeuse, donc je ne sais pas. Enfin, voilà, on se doute bien que, alors peut-être que son histoire à Gaëlle Faye n'est pas exactement que celle de Gabriel, mais ses origines, et du coup je pense que l'inspiration et les histoires qui sont dans le livre, forcément il les a entendues quelque part, parce que du coup on va parler d'un petit garçon franco-rwandais qui habite et a grandi au Burundi. Son père français, sa mère est rwandaise, qui se sont exilés, sa famille se sont exilés au Burundi, donc au sud du Rwanda, après la guerre au Rwanda, hein, entre conflits Hutu-Tutsi. Et seulement qu'au Burundi, ben, c'est un peu la même histoire, comment vous dire, c'est pas super joyeux. Et du coup, voilà, là, donc j'en suis à la page 145. Vous voyez, ça va super vite, je l'ai commencé il y a 2 jours. Et j'aime beaucoup. Déjà, c'est une écriture qui est absolument magnifique, fluide, avec une légèreté. Et du coup, là, on est dans les mots d'enfant, en fait. Oui, la
c'est narré, je vais vérifier, mais c'est narré à la première personne du singulier, donc c'est les mots de Gabriel, donc il y a un enfant de 10 ans dans le roman, donc il y a cette innocence dans les mots et la vision des événements qui est décrite et retranscrite d'une manière absolument incroyable. C'est un bonheur à lire. Niveau de l'écriture, c'est un bonbon. J'aime particulièrement sa manière de décrire les environnements et les ambiances. Au lieu de se retrouver avec des phrases qui font des paragraphes entiers avec 15 000 virgules que tu oublies au final où est le sujet et de quoi tu parles, qui est un grand classique des classiques. Là, on va avoir beaucoup de petites phrases, mais genre sujet, verbe, adjectif. C'est tout. Et genre, une succession de ça, moi, ça me donne une espèce d'impression de Polaroid, en fait, écrit, pour donc du coup nous plonger dans cette ambiance. Et franchement, moi, ça à faire conclure, ça réussit vachement. Vous voyez, j'ai commencé à mettre un tas de post-it de partout. Donc oui, c'est un... Donc voilà, c'est cet enfant qui évolue donc dans les années 90, hein, au Burundi, sachant que là on est en 93, il y a eu les premières élections tout court au Burundi, qui quelques mois après, ce coup d'État. Voilà, donc là on en est au coup d'État de 1993, et du coup c'est super intéressant de voir ça sous les yeux d'un enfant, sachant que ben oui, il y a toute cette innocence et cet enfant qui essaie de comprendre ce qui se passe dans son pays, d'essayer de comprendre qui il est, parce qu'au final on lui dit ben oui, t'es un réfugié, t'es un immigré, mais lui il est né, il a grandi, il évolue au Burundi, donc pour lui il est du Burundi. Donc essayer de trouver son identité comme ça, c'est amené avec une douceur et je sais que j'ai retrouvé ça aussi un peu dans d'autres romans, un peu mémoire d'enfance, notamment là, je pense à La voleuse de livres de, comment il s'appelle, Marcus Suzak, qui se passe en Seconde Guerre mondiale en Allemagne. De ce côté, au final, il y a tout ce sérieux de la guerre, des conflits, de la politique et tout ça, mais les enfants restent des enfants, donc il y a ce côté innocence et il y a toujours ce côté, au final, au milieu de tout ça, de trouver les petits bonheurs innocents comme ça. Je trouve ça génial. Il y a des phrases qui sont super drôles. Enfin voilà, moi je rigole à tout haut en lisant un truc qui parle de guerre civile, quoi. Non mais c'est de coup d'État et tout ça. Donc c'est vraiment et c'est percutant, c'est pertinent. C'est un vrai plaisir. J'ai hâte qu'il nous sorte un autre livre déjà, Monsieur Gaël Faye. Celui-là date de 1900. N'importe quoi. 2017, première publication, si je m'abuse, c'est ça. Mais je sais que la sphère YouTube, BookTube, réseaux sociaux, télévisuels littéraires, tout ça, ça reste... c'est tout le monde en parle encore, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment bien. Et du coup... Ben du coup, voilà. Voilà. Donc, je pense que j'aurai fini ça demain au plus tard, je pense. Et je vous reparlerai. Au final, je voulais faire plus court. Ma partie bouquin, là, je pense qu'elle est plus longue. Mais je pense que j'en suis... C'est un peu plus... percutant. Je sais pas. On verra. Je vais aller manger parce qu'il est midi là au moins et voilà, puis cet après-midi on verra sûrement bouquiner, rester tranquille, il fait dégueulasse aujourd'hui donc voilà,
J'ai la livraison des courses qui arrive entre 14 et 15 heures. Ah si, il faut que je fasse mon granola. Que serait un vlog sans que je devoisse faire mon granola? Hello du lundi. On est lundi. Il est, je pense, 11h30 là encore. C'est mon... J'allais dire c'est mon heure de prédilection, mais en fait, je sais plus à quelle heure je vous ai pris hier. Si c'est la partie que j'ai gardée ou la partie que j'ai effacée. Bon, bref. J'ai fini Petit Pays de Gaëlle Fay. Je ne vais pas revenir dessus. J'en ai assez parlé hier, il y a 2 minutes. Donc oui, en fait, je m'étais arrêtée... c'était au coup d'état, je crois, de 1993. Donc après, il y a eu vraiment la guerre au Burundi qui a suivi. Et du coup, toute la partie de la fin, c'était vraiment la guerre. Et du coup, la transition entre l'innocence et s'accrocher à l'innocence de l'enfance en passant directement à l'âge adulte, même si... pas prêt quoi, donc c'était encore une fois super bien écrit, donc vraiment un bouquin qui est délicieux à lire de par la plume, la qualité de l'écriture, la prose absolument magnifique, et du point de vue de ce que ça raconte, bouleversant et intense. Donc, chaude recommandation. Hello, on se retrouve toujours lundi. Il est quasi 3 heures. Je viens de me poser avec un thé. Je voulais juste vous parler, donc j'ai choisi une nouvelle lecture. Ce livre de ce roman de Ocean Vuong, en anglais donc On Earth We Briefly Gorgeous, ça a été traduit en français par, j'ai le téléphone là, un bref instant de splendeur, qui en France est publié chez Gallimard, une collection apparemment qui s'appelle Du Monde Entier. Si ça vous dit quelque chose. Donc moi j'ai la version paperback en VO qui est publiée par maison d'édition qui s'appelle Vintage. Bref, du coup je suis partie de la guerre au Burundi pour me retrouver quasiment en guerre du Vietnam. Son game et lecture en ce moment, c'est ouh. Oui, alors du coup, ce roman-ci est une autofiction. J'ai révisé mes termes Booktube. C'est une autofiction et c'est un roman épistolaire. Alors, je sors tous les termes qu'il faut. Donc autofiction, en fait, c'est donc une fiction qui parle d'un personnage qui... Bon, en anglais, c'est Little Dog. Petit chien, littéralement, alors je ne sais pas comment ils ont traduit ça en français, qui est le narrateur, mais en fait l'histoire c'est à résonance autobiographique de l'histoire de Ocean Vuong, qui est un auteur assez jeune, hein, je pense qu'il a quoi, à la trentaine, à tout péter. Il est américain mais d'origine vietnamienne donc, et en fait ce livre, donc roman épistolaire, en fait se compose d'une longue lettre de 200 et quelques pages qu'il adresse à sa mère, sachant que sa mère ne sait ni lire ni écrire, donc c'est plus sa manière de vider son sac par rapport
à sa vie à lui, son identité, sa personnalité, sa relation avec sa famille, et du coup son histoire aussi par rapport du coup à autant sa mère que sa grand-mère apparemment. Ça, j'ai lu en résumé. Hein. Et donc de sa famille par rapport à la guerre du Vietnam et au traumatisme que leur ont amené cette guerre et ces conflits et cet exil pour essayer de trouver une vie meilleure, mais est-elle vraiment meilleure? C'est voilà, j'ai lu 20 pages et c'est ça envoie du lourd. Une très belle plume encore cette fois-ci, c'est très beau, c'est très bien écrit. Peut-être un petit peu moins facile d'accès que la plume par exemple de Gaël Faye. Dans le sens où Ocean Vuong, il a aussi écrit un recueil de poèmes, et je pense que là, moi, dans le roman, les quelques pages, les 20 pages que j'ai lues, on ressent ce côté très poétique avec des façons de tourner les phrases et de décrire de façon imagée certaines choses c'est un petit peu... un autre niveau, enfin c'est pas que c'est un autre niveau, je veux pas dire, mais enfin, c'est pas dans la même catégorie, on va dire, mais c'est pour l'instant, bon, 20 pages, et déjà ça envoie du méga lourd, donc oui, on verra comment ça se développe. Après, c'est un roman comme d'hab qui est pas très très long, hein. Je pense qu'il fait 200, enfin moi la version british, elle fait 240 pages. Je pense qu'en français, dans le format où lequel ça a été publié et traduit, c'est un petit peu plus long. Ça doit taper vers les 300 pages, c'est presque ce que j'ai vu. Ça reste court. Voilà. Je donc viens de me poser avec un thé. Il fait vraiment pas beau dehors. Il fait super froid aujourd'hui, on est le 21 juin, c'est l'été, et j'ai mis des chaussettes parce que il fait froid. Voilà. Du coup, je vais me poser, je vais tricoter sur mon châle. Alors attendez, parce que je tiens l'appareil photo d'une main. Donc ça va être un bonheur à vous montrer ça juste avec l'autre. Mais j'ai commencé la dentelle de mon châle Seine de Janina Kallio. Donc voilà, c'est de la dentelle vraiment basique. J'ai fait deux répétitions du motif. Je crois qu'il m'en reste une bonne quinzaine. Voilà, j'en suis quasiment à la fin du premier écheveau. Donc voilà, ça va. C'est assez facile à tricoter pour arriver de suivre un podcast, un film, une série. Rien de très intellectuel quand même. Hein. Mais voilà, c'est pas non plus complètement rébarbatif à s'ennuyer. Quoique moi, les mers de Jersey, tricoter en Jersey ou tricoter au point mousse, pendant longtemps, ça ne me dérange pas plus que ça. Non, c'est moi. Et bien voilà. À plus tard. Tester, approuver en douceur le châle, Pougnette. Hello du mardi, il est 14h par là, je suis partie en fin de matinée en ville, j'avais encore des colis à poster,
J'en ai profité pour prendre un truc à manger sur le pouce. Forcément, j'ai oublié de prendre l'appareil photo. Mais enfin, bon, moi, c'était pas non plus essentiel. Donc là, je suis rentrée et je vais m'atteler cet après-midi à faire un peu de... Alors, un peu de travail dans les jardinières chez moi, dans ma cour derrière, parce que c'est un peu n'importe quoi. Mais tout d'abord, le magnum. Enfin, c'est un magnum. C'est pas vraiment un magnum puisque c'est un vegan. Mais vachement bon. Étape numéro 1, passer un bon coup de balai dans la cour, j'ai du chocolat partout, un peu hein, t'es bon hein, mon esquimau, passer un coup de balai parce que j'ai des crottes de hérisson un peu de partout en fait, voilà, pour tout vous dire, le hérisson, il est là, hein, voilà. Depuis l'année dernière, il est toujours là et il me fait caca de partout, entre autres. Je vous raconterai au fur et à mesure que je fais un peu ces travaux d'entretien de ma cour, des aventures hérissonesques. Mais bon, voilà, un petit coup de balai, déjà, ça fera pas du luxe. Ok, c'est bon, j'ai passé le balai. Oh, je suis fatiguée. J'ai un peu rangé des choses, bougé des sacs de terreau. Bref, je pense que j'ai en fait jamais parlé des jardinières. Courant de l'année dernière, donc 2020, je m'étais retrouvée à... Oui, chacha, mon tututu. Je m'étais retrouvée à accumuler un peu des matériaux, genre des planches en bois, des briques, un peu tout ça, juste derrière chez moi, en fait, il y a des... Enfin, il y a genre les poubelles de recyclage qui sont juste... Juste dehors, dans l'allée. Et je sais pas, des fois il y a des gens qui jettent un peu tout et n'importe quoi. Il y a des meubles des fois. J'ai retrouvé une table de jardin, il manquait juste une latte, je l'ai récupérée. Vous allez la voir dans un instant. Elle a bien vécu avec moi aussi. Enfin, des choses. Et du coup, c'est vrai que l'année dernière, je te trouvais avec toutes ces planches en bois et tout ça. Je me suis dit, mais c'est fou ces gens qui laissent ça comme ça, des palettes entières aussi. Du coup j'ai récupéré et j'ai un peu transformé ça en deux jardinières. Je vais vous les présenter un peu plus pour vous donner une idée de comment ça marche. Alors la lumière est dégueulasse parce que du coup le soleil est en train de tourner, donc là c'est entre ombre et soleil. Et donc là j'avais des briques, donc du coup j'ai fait un espèce de demi-cercle, j'ai mis une palette en bois derrière. Bon, en fait c'est surtout pour à la base, voilà, je voulais mettre des plantes. Comment vous dire, la menthe est morte, le thym il est mort, mais je pense que je les ai pas replantés quand il aurait fallu. Par contre, la ciboulette, elle que j'ai plantée, j'ai semé les graines moi, elle a l'air de se porter plutôt bien. Donc voilà. J'ai un chic de tout ce qui les gens disent, oh, c'est facile à faire pousser, de pas trouver ça si facile que ça au final. Donc je pense, je sais pas si c'est pas assez au soleil, si c'est trop au soleil, trop d'eau, pas assez d'eau, un peu bizarre. Cette année, c'est un peu particulier. Donc voilà, après il y a donc
la palette. Faudrait voir si je peux. Je sais pas si. Oh, je pense que si j'accroche quelque chose, ça devrait quand même tenir. Genre la petite, le petit pot là qui est suspendu. Bref, à la base, il y avait cette malle ici qui j'avais déjà l'année dernière et j'avais planté des hostas. Ça fait des grosses feuilles, j'adore, ça pousse partout, très bien, dans n'importe quelle condition. Et là, cette année, c'est une cata totale. Dans genre, à quoi ça sert d'avoir un hérisson pour se faire bouffer le hosta, le seul qui est sorti des deux par les limaces ou les escargots, et le deuxième qui normalement est là, à chaque fois qu'il essayait de sortir, je voyais le petit bout vert, et ben le lendemain matin c'était couvert de terre, complètement retourné, genre le hérisson a fait sa fiesta dans la malle. Bon bref, je vais essayer de les déplacer, de les mettre ailleurs. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! J'ai un petit machin qui pousse, je ne sais pas c'est quoi. Je verrai. Ok, là, nous avons une pivoine. Une pivoine que, à la base, j'ai plantée l'année dernière. Donc, c'est sa deuxième année. Sachant que l'année dernière, elle était franchement en piteux état. Ça s'est pas bien passé du tout. J'avais même pas ça quoi, donc il n'y a pas de fleurs pour l'instant, mais je pense que mine de rien on n'est pas trop mal, sachant que normalement il y a une deuxième tige comme ça qui poussait bien et tout, et puis le hérisson est arrivé, a fait un roule-boulis dans la jardinière et m'a complètement cassé la deuxième pousse de pivoine. J'étais ravie. C'est une pivoine Alexandre Fleming, je crois qu'elle s'appelle. Donc oui, à la base, c'était dans un pot qui, je pense, était trop petit. Puis quand j'ai fait la jardinière, je me suis dit, bon, ben tiens, on va remettre la pivoine là, puis on verra bien. Et voilà, donc c'est bien parti. Voyons voir un peu ce qui se passe. C'est quoi ça? Ça pousse. Il y a des trucs, je sais pas d'où ça sort. J'ai trouvé un haricot qui poussait bien encore dans son petit rouleau de papier toilette. Du coup, je l'ai mis là, on verra bien. Les bruyères qui, comme vous voyez, par leur forme magnifiquement plate, encore un ravage de Monsieur le Hérisson. Par contre, cette magnifique fougère... J'avais complètement oublié que je l'avais commandée sur internet. Elle est arrivée, j'ai ouvert, je dis qu'est-ce que c'est. Je ne me rappelais plus du tout. Et en fait, j'ai une très bonne idée de l'avoir commandée parce qu'elle est magnifique et elle se porte magnifiquement bien. Elle était genre. Enfin, vous oubliez toutes les grosses feuilles. Il y avait genre, voilà, un petit peu de vert et genre une petite feuille comme ça ou deux. Donc ça lui plaît bien. J'en ai. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le lierre que je me prends dans la tête en fait. Là, c'était une petite fougère de baisse qui poussait, je pense, dans la crevasse d'un mur. Quand je l'ai enlevée, il restait toutes les racines bien. Je me suis dit, bah tiens, je plante. Et donc là, il y a un petit truc qui pousse. Et je ne sais pas ce que c'est. Et donc, les pois de senteur dans les bottes en caoutchouc. Qui sont plutôt pas mal, hein, parce qu'au final... Je pense celui-ci, il arrivait à peine là quand j'ai fait les bottes. Voilà, là ça sortait à peine s'il n'y en avait pas du tout. Enfin, il n'y en avait qu'un. Bon bref, on verra. Ok, là, je vous montre. Là, voilà la table que j'avais récupérée des poubelles derrière. Bon, le croisillon en métal, il est complètement bousillé aussi. Donc, ça tient, je sais pas comment, mais ça tient. Et voilà. Ça tient là. Et après, avec plein de planches en bois et tout ça, j'ai donc construit les petits murets. Et rempli de terre. Donc... Et
Là, j'ai décidé. Alors, à la base, il devait y avoir beaucoup plus de choses. Les seules choses qui ont l'air de résister plus ou moins aux hérissons, ce sont les bégonias. Et encore, ils ont du mal. Hein. Nous avons quelques fleurs qui n'ont pas résisté au passage du hérisson. Mais et à la base, j'avais que, hop, que des comme ça. Que des bégonias fire. Comme le feu. Et c'est juste trop beau. C'est magnifique. Magnifique comme fleur. Et du coup, c'était un peu le problème de, je pense, de vouloir jardiner. Mon Dieu, le caca. De vouloir jardiner pendant le confinement, c'est que, mais même moi de base, hein, vu que j'ai pas de voiture, c'est difficile d'aller en jardinerie. Il n'y en a pas en centre-ville, c'est pas très pratique. Et du coup, de commander sur internet, à la base, j'avais commandé, il y avait 15 plants prêts à planter de bégonia, comme ça. Là, il y en a 1, 2, 3, 4 qui ont survécu. Il y en a un que j'ai donné à une copine sur les deux que je lui avais laissé parce que le deuxième il est muerté. J'en ai mis 2-3 au potager. Bon, après je pense que c'est un peu ma faute, c'est qu'au potager c'est plein soleil et les bégonias c'est pas bon. Et voilà, donc du coup je suis allée au marché et il y a une espèce de floriste qui fait un peu pépiniériste sur les bords, quelques plants qui avaient d'autres bégonias, notamment ce rose là qui pète tout. Ah, il a l'air bien fuchsia à la caméra, il est un peu plus rouge, hein. Un peu plus vermeil dans la vraie vie, un jaune et un blanc qui a l'air de vouloir me faire une nouvelle petite. Ils sont pas mal, hein, ceux que j'ai achetés au marché. Le jaune il s'est fait déterrer plusieurs fois déjà. Passage du hérisson et j'ai enfin reçu ma dernière plante. Brunera Alexander Great que je vais planter là. Et là je viens de voir que mes j'ai planté des bulbes de ce qu'on appelle en anglais les hot poker. C'est genre les tisons en français, le poker. Comme le jeu de cartes, mais seulement qu'en vrai c'est un tison et en fait c'est une tige qui part haut et ça fait un espèce de gros. Un peu comme un roseau dans la forme, vous voyez, mais seulement que c'est plein de petites fleurs. Bon, alors, si jamais ça arrive à pousser jusqu'à maturité, pourquoi pas? Je ne pensais pas que ça allait sortir, ça, tiens donc. Voilà, bon, par contre, le truc n'a complètement pas survécu. Pareil, que j'ai commandé sur internet et qui... j'ai été retrouvée avec des petites pousses toutes comme ça, que j'avais mis en pot et qui étaient bien parties. C'était les coréopsis. Il n'y en a plus. Du tout. Du tout. Parti, fait déterrer, retourner. Enfin bref, c'est une hécatombe totale. Donc voilà. Donc là, je vais mettre mon Brunera au milieu. Alors, je passe le balai, hein, et qu'est-ce que je fais après? Eh bien, je décide de nettoyer ma fougère du dedans. J'en ai mis partout la maison, partout là. Et en parlant de la fougère, du coup, on en parle de la fougère qui me pousse des feuilles par-dessous le pot? Non, mais elle en peut plus de fougère. Elle en peut plus. Bref, voilà. La logique selon Sylvie. Il y en a de partout.
Hello du mercredi matin en direct du potager. Hop, le potager. Je vais un peu vous filmer ce qui se passe au potager avant de conclure ce vlog. Demain je reprends le travail. Donc voilà. J'en profite, là il n'y a personne. C'est chouette. Go les framboises! Go! Voilà, razzia, une fois que ça a commencé à... Ah ça y est, il y en a, j'en vois, qui commence à tourner de la bonne couleur. Les alliums, ils sont énormes. Je ne pensais pas qu'ils seraient si gros. Le Gilbert le cognassier, regardez, hop! Gilbert le cognassier qui vous fait coucou. Qui a bien poussé. Il y a 2-3 feuilles qui ont un peu de rouille. Bon, ça n'a pas l'air de perturber plus que ça. Hein. Le dahlia que je pensais qu'il était mort, et ben il n'est pas mort. Il me fait des petites fleurs. Alors c'est ma première année à faire pousser des dahlias. Donc c'est l'expérience. Oh, j'ai un bégonia, je l'ai vu. Que je vous disais hier qu'ils étaient muertés. Ah, attention, mon Dieu, c'est la jungle ici. Est-ce que vous allez le voir? Là, vous voyez le petit point orange? C'est le bégonia. Petit point orange, c'est le bégonia, au cas où j'étais trop loin de l'appareil photo. Donc voilà, donc je disais oui le dahlia, donc oui, en fait je pense que le dahlia est sorti bien trop tôt, et mais bon, je ne savais pas, et enfin voilà, on verra l'année prochaine, on fera ça mieux. Est-ce que, ça y est, youpi, j'ai des boutons, des renoncules, arrivent, hop. Alors les myrtilles aussi, c'est un peu l'expérimentation, je ne sais pas trop si les myrtilles vont bien ou pas. Non, je pense qu'il y en a qui vont pas bien du tout, là, je ne sais pas, on va voir. Encore plus des framboises. Là, les haricots se plaisent plutôt bien ici. Un haricot sacrifice. Apparemment, les limaces ou les escargots ont apprécié les haricots jaunes plutôt que les verts. Ouais. Bon, les tomates, on verra. Par contre, j'ai mes pauvres soucis qui se sont fait bouffer. Bon, bref. Le seul haricot grimpant rescapé. Et du coup, je vais en profiter pour mettre cette courge qui se porte plutôt pas mal. Attends, je vais commencer à la faire monter. Hop, voilà. Moi, je fais monter mes... Ah, tiens, voilà, youpi. On va faire ça comme ça. Moi, je fais monter mes courges. Pour économiser de la place, le concombre, normalement... Oh. Ah, si... Commence à me faire des petits concombres. Tout va bien. Fleurs courtes, un plant de tomates. Alors les petits pois. Les petits pois, ça commence à être la fête. Non mais c'est des monstres plantes les petits pois en fait. Petits grains dedans, grossissent. Courgettes. Bon, au final, j'ai que un plant cette année, c'est des courgettes jaunes qui commencent à faire une autre courge butternut
et un entreplan de tomates. Hop, les fraisiers. On va voir le carnage. Au niveau des escargots, on va voir si on en a laissé. J'entends la grille, il y a quelqu'un qui arrive, je vais me dépêcher. Hop, les blettes. Voilà, c'est pour ça que j'en avais enlevé l'autre fois pour laisser la place à celle-ci. Là, nous avons, oh, c'est mon ombre, dépanné. Dépanné. Qui ont l'air de faire leur truc. Là, alors ils ont tendu le gazon, genre hier, il y a de l'herbe de partout. Bon, pas grave. Derrière la brosse à dents, nous avons des rutabaga. Ça va pour l'instant. Là, nous avons deux autres plants de courges qui sont pas mal aussi. Ah, tiens, il va falloir que je fasse monter ça. Pareil. Ouais, ça pousse bien. Voilà les épinards perpétuels. Et vous voyez, j'en ai enlevé. Franchement, je peux refaire la même récolte que il y a quelques jours. Là, sous la grille, j'ai planté, j'ai semé très récemment. Hop, je vais vous montrer. Là, il y a des pak choy. Vous voyez juste là. J'ai remis des épinards. Je pense que ça commence à sortir. Après, j'ai mis du choucal à tout hasard. Je pense qu'il y en a un qui sort. Choucal. Des pommes de terre. On y est presque. La jungle, on n'en parle pas. Les groseilles. Ouh, les groseilles. Qui commence normalement. Yes. Il y a des bruits bizarres. Et là, alors oui, pour remédier aux oiseaux, j'ai cette grille que j'ai trouvée ben, dans les poubelles. Et du coup, je pense que je vais recouvrir d'un fil. Comme bien sûr les fraises. Oh, un gros chien. Et bref, mes salades. Je vais en replanter. Et là, j'ai un deuxième bac. Hello! On est donc toujours mercredi. Et il est 3h30 de l'après-midi. Je viens conclure ce vlog. Cette semaine de vlog, bon, au final, hein, j'ai pas fait grand chose, mais je me suis surtout au final reposée. J'en avais besoin de faire un peu le vide dans ma tête. C'était bien. Du coup, j'avance gentiment sur mon châle sen. Voilà, niveau, je me suis arrêtée au plein milieu d'un rang. C'est très pratique. Voilà, j'ai fait une autre répétition du motif. J'en suis sur la quatrième. Ça suit son cours gentiment, un peu devant la télé. Voilà. Et les lectures, ça continue aussi. Ce livre de Ocean Vuong. Un peu, pour l'instant, ça va, je rentre petit à petit dedans. C'est une lecture plus difficile de par la prose qui est moins accessible, on va dire, que le livre que j'ai lu précédemment, qui était donc Petit Pays. C'est un peu plus long à encaisser toutes ces tournures de phrases. Très poétique, mais au sens technique du terme, on va dire. Et la manière d'aborder le sujet aussi, donc des traumas de la guerre du Vietnam et tout ça. Mais ça reste pour l'instant une bonne lecture. Hein. Je vais avancer ça gentiment. Je vous tiendrai au courant donc de mon ressenti une fois que je l'aurai fini. Ben voilà. Je vous fais
voilà, bah, je vous fais à toutes et à tous des bisous, j'ai envie de dire. Voilà, hein, la bonne expression, on se fait des bisous. Mais voilà, je vous remercie d'être là. Encore une fois, merci comme d'habitude de tous vos commentaires sur chacune de mes vidéos, de vos pouces en l'air, de vos retours. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés s'il y en a. Et continuez, hein, plus, venez. Et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de podcast, de vlog. Je ne sais pas quand c'est, ce que ce sera. Comme d'habitude, je le fais comme je le sens, quand j'en ai le temps. Donc là, je vous fais un gros au revoir général. Je vais faire une petite partie bonus aux grandes dames de ma grande sœur. Pardon Marianne. Donc oui, une petite partie bonus. Donc je le rappelle, si vous êtes de ma famille ou mes amis très très proches, vous ne regardez pas cette partie bonus, s'il vous plaît, pour éviter les spoilers. Pour éviter de vous divulgâcher des chouettes choses qui arrivent prochainement. Et voilà, d'ailleurs... que je vous raconte ma sœur et la partie bonus, parce que ça fait à chaque fois, elle me dit que ça la frustre, cette partie bonus qu'elle tient quand même à ne pas regarder. C'est bien ma choupette. Et donc elle m'envoie un message sur WhatsApp où elle est allée dans un atelier de céramique. Et donc elle a fait des petites tasses en céramique. Et elle m'envoie, tiens, des photos, tiens, ça c'est pour la fête des pères, bah, tiens, ça c'est pour envoyer à maman, tiens, celle-là c'est pour moi, je me la garde. Et après elle me dit, et le reste, je te montre pas, c'est la partie bonus. D'accord. Bon, bref. Donc, gros au revoir général pour tout le monde et surtout pour celles et ceux qui ne... viendront pas regarder cette partie bonus et celles et ceux qui regardent partie bonus, je vous retrouve de suite après un petit écran noir de quelques secondes. Bienvenue dans la petite partie bonus de ce vlog. La partie bonus, alors je le rappelle ou je vous le dis si vous nous rejoignez depuis peu de temps, là on est quand même au mois de juin, c'est carrément la moitié de l'année, qu'en fait en début d'année je me suis attelée à tricoter et confectionner les cadeaux de Noël et des calendriers de l'Avent, un calendrier de l'Avent surtout. Tout au long de l'année, tout pointillé sur toute l'année pour éviter le stress et tout ça. C'était un peu l'effet 2020 confiné et de vraiment pas pouvoir passer de fête, rien du tout avec les gens qu'on aime. Donc en espérant que cette année, d'ailleurs fait que je m'en occupe déjà de prendre des congés pour Noël... en espérant pouvoir passer Noël en France chez ma famille. Alors, on croise les doigts pour que la sœur puisse venir de la Réunion aussi avec les neveux. Et le beau-frère, je ne sais pas, peut-être. et du coup, voilà, j'avais envie de pourrir gâter un peu mes proches. Et du coup, de m'éviter des gros stress de fin d'automne, début d'hiver, à tout faire en même temps. Donc j'ai déjà fait le cadeau de Noël vraiment de ma mère, je prévois un calendrier de l'Avent pour ma mère, et aussi de faire un petit calendrier de l'Avent pour mon beau-père, qui du coup, en fait, ma mère, elle aura quelque chose tous les jours, mais pas forcément que des choses tricotées. Et en fait, les jours où elle aura des choses tricotées,
et ben mon beau-père il aura aussi son petit quelque chose de tricoté. Et du coup j'en profite pour vous montrer, donc c'est mon encours de la partie bonus. Et je suis en train de tricoter une paire de chaussettes donc pour mon beau-père. Oui, alors là, les couleurs, bon. Ma mère me dit qu'il n'est pas trop regardant sur les couleurs de chaussettes. Bon, écoute, je pense que c'est le cas, hein, il s'en fout un peu. Par contre, en fait, la couleur, c'est parce que c'est le seul coloris un peu potable, hein, vraiment, que je trouvais sur cette base de laine. De laine à chaussettes qui est de la Opal Cotton Premium. C'est une marque allemande et donc c'est 38% de laine, 32% de polyamide et 30% de coton. Et c'est une base de laine, une laine à chaussettes que j'avais déjà que j'avais acheté à Berlin dans un autre coloris, un coloris genre gris bleu jean, que j'avais acheté lors d'un séjour à Berlin donc il y a 2 ans. Oui, j'ai le doute, c'était il y a 2 ans, pile poil d'ailleurs, mon Facebook me l'a rappelé. Et donc j'avais fait cette paire de chaussettes avec cette laine à mon beau-père comme ça. Et je sais qu'il les apprécie tout particulièrement. C'est pas quelqu'un qui va aimer trop. Enfin, il a jamais assez froid pour vraiment mettre de la laine et des chaussettes 100% laine. Donc je sais qu'il avait particulièrement apprécié ces chaussettes que j'avais fait avec cette laine. Donc du coup j'en ai recherché. Je me suis dit, tant qu'à faire, on va faire les mêmes avec un autre coloris. Et la nouvelle collection de couleurs, j'avais galéré et je n'ai trouvé que ce coloris-ci. Faudra que je vois s'il y en a d'autres peut-être avant la fin de l'année. On va voir. Et donc voilà, j'ai mis un couleur contraste juste pour le talon. C'est la Yavol de... je ne sais plus qui, Lang. Mon Dieu, c'était loin ça. Donc voilà, j'ai fini chaussette numéro 1 et j'en suis à la chaussette numéro 2. J'ai fini mes diminutions du gousset. Donc là, c'est tout droit, c'est presque fini. En 2-3 soirées, je pense que l'affaire sera pliée. Du coup, j'utilise la base du patron. Je fais exactement les mêmes que j'avais fait il y a 2 ans. Je ne tracasse pas la tête. Mais la base, c'est les Dave de Rachel Coupy de Sock volume 2. Coupy, machin. Et oui, je les tricote. Du coup, je fais une taille moyenne. Ça n'a pas des énormes pieds au final, Paul. Je fais une taille moyenne, donc c'est une base de 72 mailles. Mais je fais sur des aiguilles 2.25. Voilà. Base, moi, mes chaussettes, j'ai fait en 2.5 les aiguilles et c'est du 64 mailles. Donc elles sont un chouïa plus grandes, mais elles sont un peu plus tricotées, serrées. Et ben voilà, moi je sais que les autres, ils les portent, alors tant qu'à faire, voilà. Donc ça c'est en cours et ça fera 2 cadeaux tricotés pour Paul et 2 cadeaux tricotés pour ma mère. Parce que j'ai 2 ou 1. Non, je crois que je suis à la bourre chez ma mère. Et oui, non, il n'y en a qu'un que pour ma... Oh là là, bon bref, c'est pas grave, on a le temps, hein. Voilà, et aussi donc il y a les calendriers de l'Avent comme ça, et donc pour ma soeur et sa famille, j'avais dans l'idée de faire une boîte à chapeau, une boîte à bonnet,
Donc comme ça, ils se servent, c'est les interchanges. Et j'ai tricoté du coup le Painting Honeycomb's Hat de Stephen West. Là, on voit mieux que dans toute sa série des Painting Honeycomb's machin chouette. Vous savez que quand il crée un point, une texture, il aime bien décliner ça sur tout ce qui passe. Et du coup, j'ai utilisé mes restes de laine Deka de Blueface Lester et Massam. Ça ressemble à rien comme ça. Blueface Lester, Massam. Donc celle de Laxton pour la non-teinte et tous les teintes, c'est de chez Rainbow Heirloom. Voilà, donc il y a mon pull que je vous ai présenté la dernière fois, du palette cleanser, les restes de lin et le jaune or qui est de mes mitaines, je ne sais plus comment il s'appelle, avec les torsades de Fiber Tales. Mais voilà, donc je me suis un peu amusée sur la séquence de couleurs. Il faut que je rentre les fils, mais c'est pas grave. Je vous le mets. Vous voyez quand même qu'en fait, c'est pas mal. Donc ça fait deux chapeaux dans la boîte à chapeaux, sachant qu'il y en a que je vais faire en couture, donc ça devrait aller plus vite. Et voilà, c'est tout ce que j'ai avancé sur la partie bonus de Noël. Il va falloir que je vous parle d'autre chose qui s'est collée dans les cadeaux à faire. Ah, je ne m'en sors plus. C'est très bien. Mais c'est pas grave. Et voilà. Donc du coup, je vous redis au revoir pour de bon cette fois. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.